vais me présenter à quelques personnes que je rencontre pour la première fois ce soir. Mon nom est Micheline Bourque. Je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Le Club, c'est un projet d'affaires sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans. L'idée derrière le Club, ou le devant, en fait, c'est de créer un carrefour de rencontres qui va permettre de réunir les adeptes de la littérature d'affaires dans la francophonie, dans l'espoir de leur faire découvrir des livres, de leur faire échanger autour du livre et bien sûr apprendre par le livre. C'est les 3 axes là, que je développe. Ce soir, on est dans une perspective de découverte et possiblement d'échange. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Un des grands projets du Club de lecture, c'est le Sommet du livre à faire. C'est une initiative web que je vais produire pour la 2e année cette année en novembre, qui va réunir des auteurs du Québec, bien sûr, mais de d'autres pays de la francophonie, notamment, bien sûr, la France. Mais on souhaite qu'on aurait peut-être quelqu'un de la Belgique ou du Liban. On travaille là-dessus avec des collègues maintenant qui commencent à s'accrocher à ce projet. Je voudrais faire quelques petits remerciements. Le premier, bien sûr, au Club universitaire ici à Montréal, qui me permet de produire des événements maintenant depuis 1 an. C'est le 4e événement ce soir et le plus important, absolument. Absolument le plus important. C'est vraiment un privilège pour moi. J'ai l'occasion de produire également du contenu à partir de la bibliothèque. Cet après-midi, j'ai eu le privilège de rencontrer quelques auteurs et de parler d'un livre marquant avec M. Jean-Claude Poitras. Donc, je suis très honorée lorsque ces personnes veulent parler de lecture avec moi. J'avais hâte de vous dire, M. Roy, que j'ai eu comme un petit coup de foudre, moi, pour M. Roy. Il y en a, c'est Obama ou Justin Trudeau, mais moi, c'est Jean-Louis Roy. J'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à Paul Genet, qui est une relationniste qu'il connaît, qui m'a mis en contact avec lui. On a fait une activité déjà au niveau du club avec M. Roy. Vous allez voir, c'est un homme généreux. C'est un homme rempli d'intelligence et de... Enfin, bref, je ne vais pas m'embarquer trop, je vais me calmer. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir ici pour parler de votre excellent ouvrage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais juste mentionner 5 choses parce que je ne peux pas toutes les mentionner parce qu'on serait là jusqu'à demain matin. Mais pour vous faire connaître l'ampleur de tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est incroyable. Au-delà d'avoir écrit plusieurs ouvrages d'histoire, d'analyse politique, de création, dans plusieurs langues, hein, français, anglais, portugais, arabe et chinois. Il a été le secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Il a été président de Droit et démocratie, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie. Il a été décoré dans plus de 20 pays. Délégué général du Québec à Paris, responsable de l'Observatoire mondial des droits de l'homme qu'il a créé lui-même. Une vie incroyable, M. Roy, absolument incroyable. C'est un coup de foudre, hein? Oui, c'est un coup de foudre. Je vous laisse avec une petite citation que j'ai trouvée sur son site jeanlouisroy.com, et je pense que le coup de foudre vient de là, M. Roy. L'idée d'une maison planétaire commune est plus concrète que jamais, puisque l'humanité historique et l'humanité virtuelle, ensemble ou séparément, incluent la totalité des humains et de leur culture. I believe in that. Madame Boisvert, qui ne connaît pas Madame Boisvert ici? Ah, une personne, OK, c'est ce que je me disais. OK. Madame Boisvert, je suis honorée également, mais évidemment, on se connaît moins, donc je suis moins personnelle. Madame Boisvert est présentement première vice-présidente rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Si elle est ici, c'est grâce à Madame Carole Doucette qui la connaît et qui m'a suggéré Madame Boisvert pour faire l'entrevue avec Monsieur Roy, un match parfait à mon avis. Donc merci Carole. Madame Boisvert, dans son rôle, elle est responsable de l'ensemble des initiatives entrepreneuriales et assure une présence de la Caisse dans toutes les régions du Québec en appui aux équipes d'investissement. Elle est rentrée à la Caisse en 2012, ça fait déjà 5 ans. Avez-vous célébré? C'est en septembre. OK, vous avez-vous une date là? Oui. Champagne et tout, on vous le souhaite, bravo.
Économiste de formation et la mining carrière, en journaliste pendant plus de 25 ans. Beaucoup d'entre nous vous connaissent par ce biais. Radio-Canada, La Presse, dont vous avez dirigé, bien sûr, le cahier Affaires. Et encore une fois, j'en passe. Je voulais simplement, juste pour faire un petit peu plus personnel, j'adore votre titre, Rayonnement. C'est tellement magnifique. Hein? On aime cette connotation positive d'énergie radieuse. Donc, vous avez beaucoup de rayonnement, vous êtes membre de conseil d'administration et tout ça. On offre votre fiche sur la caisse de dépôt. J'aimerais mieux laisser la parole à nos invités. Vous avez préparé l'entrevue, l'auteur est prêt. Êtes-vous prêt maintenant? Bon, allons-y. Hein? Allez-y, merci beaucoup. Alors, donc, bonsoir, bienvenue. C'est un lieu effectivement magnifique. Moi, c'est la première fois que je viens ici. On va commencer. Je sais trop si vous avez lu le livre. C'est effectivement un livre passionnant. On va y aller avec la première question, parce que ce livre-là, la thèse, en fait, de ce livre qui est intitulé « Le siècle, la diversité », ça repose sur un certain nombre de constats. Il y en a cinq. Ces constats-là, notamment, on parle du basculement de la richesse de l'Ouest vers l'Est et le Sud, le déploiement universel de l'ère numérique et l'évolution de la démographie, la répartition de la population. Et le postulat, donc, qui est à la base de votre livre, c'est que les mutations actuelles marquent la fin de l'hégémonie culturelle occidentale, ainsi que celle de courte durée de l'hyperpuissance américaine. Ce n'est pas le seul postulat, mais c'en est un. Moi, ma première question serait, est-ce que vous avez déjà des exemples concrets que cette transition est amorcée? Écoutez, c'est une... Michel, vous avez rappelé les choses les plus importantes. Il s'est passé, les mots ne sont pas les miens, ce sont les mots de l'OCDE. Après l'implosion de l'Union soviétique, qui a été un déclencheur extraordinaire pour beaucoup de choses dans les derniers quarts de siècle, il s'est passé un événement considérable. L'Occident a gagné. L'Occident a gagné solidement la grande bataille avec l'Union soviétique. Le monde soviétique était une façon de voir la vie, de voir les relations humaines, l'organisation des sociétés, la communauté internationale. Eh bien, ça, tout à coup, ce n'était plus là. Mais pendant un siècle, on était dans cette bataille entre les pro-Moscou et les pro-Washington, et le monde était divisé en deux. Tout à coup, le monde n'est plus divisé en deux. Le monde est un monde unipolaire pour un temps. Les Américains et nous avec eux, quand j'ai démarré, les Occidentaux ont gagné. Et ce n'est pas une petite victoire, c'est une immense victoire. C'est-à-dire que pour un temps, on est encore dans ce temps-là, on doit réorganiser les questions liées à la sécurité, on doit réorganiser les questions liées aux répartitions de l'investissement, etc. Et ce que nous avons choisi de faire les Occidentaux, dans un premier temps, ça a été de délocaliser massivement nos capacités de produire et nos capacités de recherche. L'année dernière, j'ai regardé les statistiques avant de venir vous rencontrer, en 2016, les statistiques de l'OMPI, les demandes pour les brevets, il y en a eu 2 900 000 dans le monde, 1 million venait de la Chine. Les demandes pour les nouveaux, les marques, la Chine est au premier rang des demandes du monde. Et pas un peu. Dans ce cas-là, elle dépasse de la moitié les États-Unis. S'agissant des dessins industriels, la Chine est aussi en avance. La Chine, qu'on a peut-être, certains d'entre nous, connue il y a 30 ans, ne déposait pas de brevets pour les droits d'auteur de marques et ne déposait pas non plus de dessins industriels dans ces quantités extraordinaires. Basculement de la richesse. Nous nous sommes dit, on va aller conquérir, parce qu'on est comme ça, nous, les Occidentaux, et ça nous a plutôt bien servi, on va aller conquérir les marchés. Il y a d'immenses marchés, pas des petites choses. On ne parle pas de l'équivalent de 5 Pérou, etc. On parle de l'équivalent de 5 États-Unis d'Amérique, quand on parle de l'Inde ou quand on parle de la Chine. Et on s'est dit, il y a des marchés immenses. Ces gens-là sont en train de se rallier à l'économie de marché, avec Deng Xiaoping, qui est peut-être un des grands personnages du 20e siècle, le leader de la Chine, qui a dit, il a changé un mot, et en changeant un mot, il a changé l'histoire de l'humanité, l'économie socialiste, ça c'était la doctrine chinoise, mais lui il ajoute l'économie socialiste de marché. Et ça change tout.
Et ils sont devenus, depuis, nos concurrents. Et ils le sont de plus en plus, pour des raisons dont on parlera sans doute. Donc, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il y a des signes qu'on est dans cette transition? Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. On en parle, à mon avis, pas beaucoup, mais je viens d'en indiquer un. Le volume de dépôt de toute la famille humaine, de ce qu'elle pense comme nouveauté, comme innovation, eh bien, nos amis asiatiques, je ne parle que de la Chine, là, si on additionne la Corée avec le Japon plus l'Inde et la Chine, ils sont au-delà d'une majorité solide dans ces domaines-là. Mais je voudrais évoquer trois choses, simplement les mentionnant, qui sont des éléments de ce passage-là. L'année dernière, il y a 100 millions de Chinois qui ont été touristes quelque part dans le monde. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Ils se promenaient d'un village à l'autre, etc. Gérald Bouchard, le grand sociologue québécois de Chicoutimi, le frère de l'ancien premier ministre, M. Lucien Bouchard, a écrit une thèse de doctorat sur les villages immobiles, c'était le titre de sa thèse, c'était les villages de France, où à la fin du 19e siècle, il y avait des gens qui jamais ne quittaient leur village. Et c'était la règle dans le monde, à peu près. Eh bien, l'année dernière, il y a eu 5 milliards d'hommes et de femmes qui ont franchi les frontières. Ça fait partie du nouveau monde dans lequel on est. Il y en avait 50 millions en 1950. Il y en avait 500 millions en 2000. L'année dernière, il y en a eu 5 milliards. Pour le tourisme, 2,6 milliards. Les réfugiés, les gens qui traversent pour les affaires, qui traversent pour toutes sortes de raisons. Nos amis asiatiques n'étaient pas de ces statistiques. Ils les dominent maintenant. On a appris cette semaine que la Chine est devenue, après les États-Unis, le deuxième investisseur dans le monde. Il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Mais je suis très content, que, Michel, que vous ayez posé la question comme vous l'avez posée, parce que des fois, j'ai beaucoup parlé de ce livre-là, et des fois, les gens disent, ouais, ils pensent que c'est fini, l'Occident, mais pas du tout, c'est pas du tout ma thèse. Je crois que l'Occident a un tel bagage. Que l'Occident, les États-Unis, l'Europe, etc., a un tel poids, ne serait-ce qu'en défense, ne serait-ce pour les Américains notamment, en technologie, etc., qu'on occupe encore une place. On n'occupe plus toute la place. On a perdu le monopole de la production de la science et de la technologie. On a perdu le monopole de la production de la richesse. On continue à en produire. Et moi, je termine par ça, et moi, ce qui s'est passé aux États-Unis, l'élection du président Trump, qui est un président légitime. Les Américains ont choisi, en sachant ce qu'il faisait. Il n'a pas caché qui il était. On savait tous qui il était quand il est devenu président des États-Unis. Les doutes qu'on a eus sur ce qui allait se passer en Autriche, en Pologne, en France, en Hollande, ce qui s'est passé en Angleterre, etc. C'est l'Occident qui s'ajuste et qui ne sait pas trop comment faire. On n'a plus le même volume d'emploi. On n'a plus la même capacité économique, on en a encore une, et elle est réelle, et elle est forte. Mais on a perdu quelque chose, et on a perdu des emplois, notamment. Il y a des gens qui ont vu des emplois corrects leur échapper, puis ils se trouvent avec des emplois difficiles. L'ajustement du monde est tel... Je parlais hier avec des gens d'une compagnie aérienne québécoise, on ne fait pas de publicité, mais bon, il n'y en a pas beaucoup de compagnies aériennes québécoises, et la vice-présidente disait, notre grand problème actuellement, c'est de garder nos pilotes, parce que les compagnies asiatiques leur offrent le double des salaires qu'on leur offre, et on perd énormément de nos meilleurs pilotes qui s'en vont gagner 300 000 $, 275 000 $, en Chine notamment, mais pas seulement. Donc, oui, il y a des signes que quelque chose s'est passé. L'autre affaire, une phrase, je remercie Michel de l'avoir mentionné. Je pense qu'on personne ne réalise, moi le premier, ce qui est arrivé au monde quand le numérique est arrivé dans notre monde. Aujourd'hui, il y a 3,5 milliards de personnes qui sont connectées. Dans 15 ans, il va y en avoir 5 milliards. Il y a 30 ans, il y en avait 300 millions. 5 milliards de personnes qui sont interconnectées. Internet, c'est la structure de toutes les structures. Tout se rattache maintenant à Internet. C'est la structure de toutes les structures. Et c'est la première fois qu'une technologie s'installe dans le monde, partout, en même temps, peu importe votre niveau de vie, votre langue, vous êtes un paysan vietnamien, vous êtes un producteur de bœuf au Mali,
vous êtes un pêcheur à Madagascar, vous avez tous un téléphone portable maintenant intelligent, vous, comme on dirait au Québec, vous checkez les prix sur le marché, êtes-vous mieux de vendre aujourd'hui ou d'attendre demain matin, etc., etc. Le monde entier maintenant voit le monde à travers les écrans. Permettez-moi de vous interrompre, voilà. Parce que je pense que vous pourriez continuer sans arrêt. Non, mais moi, c'est, parce que justement, dans votre livre, une des idées que vous soulevez, c'est que maintenant que l'Occident ne domine plus, mais fait partie d'un ensemble plus vaste, vous dites que les cultures ne seraient plus hiérarchisées les unes par rapport aux autres. J'ai un petit doute. Vous croyez vraiment qu'on peut se diriger vers ce genre de monde-là? En tout cas, je pense qu'on est dans quelque chose de neuf. Comment on doit le nommer? Qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Je viens de dire, tout ça est tellement immense, c'est tellement nouveau. On met le pied, on commence simplement à comprendre vaguement ce qui arrive. Quand on nous dit que les objets connectés vont être 60 milliards, ça veut dire quoi, ça, 60 milliards d'objets connectés? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis capable de le dire, je crois les gens qui me le disent, mais je ne vois pas dans quelle sorte de monde on va vivre, et pourtant, on va vivre dans ce monde-là. Je crois qu'on sort d'un temps où il y avait quand même des cultures qui étaient soutenues par des économies. Les cultures occidentales, la nôtre, regardez ce qu'on a créé au Canada en titre de la culture, ce n'est pas rien. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, aux États-Unis, en Occident en général, on avait les moyens d'avoir des institutions culturelles, d'avoir des musées, des écoles d'art, des écoles de théâtre, d'avoir des clientèles aussi. Cette capacité-là, maintenant, il y a un très grand nombre de pays qui ne l'avaient pas et qui l'ont, et qui l'utilisent. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, ça donne aujourd'hui que la Chine à peu près 175 musées de plus qu'elle avait il y a 15 ans. Il se construit presque des musées tous les 10 jours. Ça veut dire que les grandes rencontres culturelles du monde ne sont plus toutes en Occident. Elles sont en Amérique latine, elles sont en Afrique, elles sont beaucoup dans les Émirats du Golfe et évidemment en Asie du Sud-Est en grand nombre. Toutes les biennales des arts et tout ce monde-là là, qui se réunissaient plutôt en Occident et se réunissent partout. Parce que partout, il y a maintenant le moyen public et privé de soutenir la culture. Mais vous dites justement, quand vous parlez de la montée de la Chine, vous dites qu'il va falloir se préparer une guerre de titans entre la Chine et les États-Unis qui va justement dominer le monde culturel. Donc, c'est un peu, c'est pas tout à fait la vision d'une espèce d'égalité des cultures. Personnellement, c'est peut-être parce que je suis un peu cynique, ça finit avec le journalisme, mais j'ai l'impression que... Madame, on est deux anciens journalistes. Je sais, mais il va y avoir, à mon avis, on va continuer à essayer de savoir qui va essayer de prendre le dessus sur un autre. Je ne sais pas que je le souhaite, mais c'est pas un peu utopique que de penser que tout à coup, tout va s'égaliser. Michel, j'évoque la guerre à venir entre les États-Unis et la Chine au sujet d'Internet. Il y a une structure Internet occidentale qu'on connaît, on l'utilise sans arrêt, les Facebook, et les Google et tout ça. Il y a une structure Internet chinoise, c'est les deux seuls au monde. Il n'y en a pas d'autres. La Russie en a une petite, mais assez marginale. L'Europe est complètement passée à côté de ce rendez-vous-là. On le voit maintenant, les Chinois se battent et les Américains se battent pour acheter le e-commerce en Allemagne, pour les acheter au Mexique, pour les acheter au Brésil, pour les acheter au Vietnam. On est devant une grande compétition entre la Chine et les États-Unis sur la question d'Internet. Sur la question de la culture, à mon avis, il va se passer deux choses. En tout cas, j'observe deux choses. Il va y avoir toujours ces gens qui vont dire, qui vont rêver du monde tel qu'il était. Et puis, il y a des compagnies américaines, des grands studios qui signent avec des grands studios chinois pour produire conjointement des œuvres. On va voir toutes sortes de choses qu'on n'a jamais vues. Le Nigeria, qui est un grand producteur de films, 1800 films par année, qu'on n'avait jamais vus. Il y a maintenant des Netflix qui montrent leurs œuvres, on peut les acheter à Montréal, un peu partout, viennent de signer les cinéastes du Nigeria avec les cinéastes indiens. Ça va faire quoi, ces mariages-là? Et des choses auxquelles on n'avait jamais pensé, que personne n'avait jamais pensé au sujet de la culture et qui vont se produire. Vous avez rédigé ce livre-là il y a 2 ans? Oui, 3 ans. 3 ans, donc c'est avant le Brexit? Oui. Avant Trump, avant le protectionnisme, avant la Syrie,
Est-ce que, maintenant qu'on voit tout ça, vous réécriviez différemment votre livre? Oui, il y a des choses, sur le fond, non. Sur le passage de la richesse de l'Ouest vers l'Est, il y aurait des détails, hein, mais ce gros morceau-là serait là. Sur la montée d'Internet dans le monde, ça serait encore là. Ce que j'écrirais sans doute très différemment. C'est le double rythme. On est arrêté en Occident, on n'est plus sûr. On a ce président américain, on ne sait pas trop comment jouer avec ça. L'Europe est de la grande difficulté dans laquelle elle est. Ce n'est pas vrai en Asie. L'Asie n'est pas en difficulté. Quand tu es au Vietnam, c'est un pays qui n'arrête pas d'être à 8 à 9% de taux de croissance. La Chine et l'Inde vont avoir au moins 6% de taux de croissance dans les 2-3 prochaines années. Ce n'est pas rien. Il y a des pays qui ont un peu de difficultés en ce moment. La Corée a quelques difficultés, le Japon. Bon, je voudrais bien qu'on ait, mais les taux de croissance moyens en Asie sont les plus élevés, demeurent les plus élevés du monde. Ça, j'écrirais, peut-être que je dirais des choses sur les taux. Je ne pensais pas que l'Occident si rapidement serait marqué par ça. Là où j'écrirais très différemment, c'est sur le Proche-Orient et la Turquie. C'est sûr que là, il y a quelque chose qui s'est produit dans les 3-4 dernières années qui est immense. Mais lorsque vous évoquez, par exemple, bon, justement, et c'est vrai que l'Internet amène ça, une plus grande propagation de la culture, et ce qu'on voit maintenant, c'est un repli sur soi. Ça, ce ne serait pas quelque chose qui ferait changer un peu votre thèse? Le repli sur soi, on croyait que la France allait le faire, elle ne l'a pas fait. On croyait que la Hollande allait le faire, elle ne l'a pas fait. On croyait que la Pologne allait le faire, les Polonais ont dit on n'en veut pas. Il n'y a pas eu de vote, mais le gouvernement est obligé de faire attention à ce qu'il raconte et ce qu'il dit. J'étais il y a peu de temps à Sofia, en Bulgarie, justement avec plein de gens d'Europe de l'Est. Tous les ministres de la culture de l'Europe de l'Est étaient là. L'idée du repliement sur soi, c'est des plus riches, les Occidentaux, qui ont un peu mariné cette idée-là. Je ne crois pas qu'elle va durer très longtemps, personnellement, parce que d'autres forces sont en jeu actuellement qui produisent des choses étonnantes. Par exemple, nous, on parle de l'OCDE quand on est des Occidentaux, qui définit les normes, les règles communes, etc. De plus en plus, l'OCDE va céder sa place à l'Association de coopération de Shanghai, qui est un très grand groupe dans lequel maintenant il y a 75 pays, qui est en train de définir des normes. Ça va nous rejoindre. Et les Occidentaux ont été obligés de se situer par rapport à ça. On n'est plus les seuls à définir les normes environnementales, santé, etc., alimentaires, agroalimentaires. Un. Deux, parce que le transfert s'est fait et que les réserves financières, en partie, sont dans les pays du Golfe et en Asie, il y a des grands projets. La route de la soie, le plus grand projet de coopération du monde, 30 pays, 1000 milliards de dollars, lancé par la Chine, en train de se faire, qui va amener les gens de Pékin jusqu'à la capitale de l'Allemagne, qui va les faire redescendre juste pour l'Espagne, ils vont traverser vers le Maroc, ils vont remonter, ils vont descendre plutôt l'Afrique, jusqu'à Djibouti, l'Éthiopie. C'est un projet de fou. C'est les projets que les Occidentaux faisaient, nous, avant. C'est eux qui font ces projets-là, maintenant. Est-ce que vous êtes un optimiste? Moi, je suis un beauceron. Ça veut tout dire. On a 9 semaines. Il ne faut pas se tromper de la date où on plante les choses, parce que ça va geler au bout. Oui. Écoutez, quand on regarde, vraiment, là, on est deux anciens journalistes, quand on regarde le monde, je suis tellement d'accord avec Obama, ce qu'il a dit à Montréal l'autre jour, il y a plus de gens qui sont instruits. On vit plus longtemps, on vit mieux partout dans le monde. La capacité de contenir les fléaux de toute nature, le progrès, la notion de progrès, la notion de... Écoutez, en 1920, il y avait 1,2 milliard de personnes sur la Terre. Il y en avait la moitié qui étaient affamés. 100 ans après, il y a 7,3 milliards de personnes sur la Terre, il y en a 600 millions, 800 millions qui ont des problèmes alimentaires. On a fait quelque chose. On a réussi quelque chose. Pas tout le temps optimiste, mais presque tout le temps. Presque tout le temps. Je vais vous amener un petit scénario. Mon rôle, c'est de le provoquer un peu. Mais...
Et si, justement, parce que vous dites même dans votre livre, vous dites « Tel est le paradoxe de ce millénaire naissant, il dote des milliards de personnes de moyens technologiques avancés et fait chacune d'elles un émetteur potentiel. » Et c'est vrai. C'est donc que maintenant, Donald Trump peut parler directement aux gens. Et il le fait. Et il le fait, il ne s'en prive pas. Tout comme les gens d'ISIS peuvent le faire aussi. Ça peut aussi devenir un dangereux objet de propagande. Oui. Non? Ah non, 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 vous avez parfaitement raison. On ne maîtrise pas ce monde-là. On est dans une période de transition. On ne maîtrise pas. Le droit qui n'a plus de frontières à cause d'Internet, il faut revoir ça radicalement. Il y a plein de choses qui se passent sur le réseau des réseaux. Est-ce qu'on a, je m'excuse là, mais est-ce qu'on a envie de tolérer que les gens se fassent égorger on caméra et que ça soit vu dans le monde entier? Et c'est pourtant, c'est ça qui se passe. Ce qui se passe dans un million d'histoires, il y a des arnaques terribles. On sont victimes souvent des gens assez modestes. Il y a un droit qu'il faut refaire complètement. Le chantier qu'appelle l'humanité numérique, la civilisation numérique, est immense. Est immense. Aujourd'hui, il y a 20% des Américains qui ont un bracelet de santé et qui sont connectés sur des cliniques médicales avec les médecins. La médecine va changer, l'éducation va changer, le droit va changer. Et Michel, vous avez parfaitement raison, on ne maîtrise pas ça, on constate que ça nous arrive. Le travail des prochaines générations, ça va être de maîtriser ça, comme ceux qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais ça. Il faut réinventer quelque chose qui va s'appeler la civilisation du 21e siècle. Vous évoquez trois scénarios possibles pour le passage justement de cette transition vers le siècle de la diversité. Une évolution lente, une accélérée et une contrariée. Quelles sont les mesures nécessaires que la communauté internationale doit prendre pour favoriser le scénario 1? Scénario 1 qui est? Un passage vers une évolution lente, là, zen, ouais. Là, que ça va bien, tout se passe bien. C'est là que j'aurais dû me poser la question, êtes-vous optimiste? Parce que honnêtement, qu'est-ce que la communauté internationale doit faire? D'abord, comprendre ce qui nous arrive, c'est que c'est l'objet de ce livre et de beaucoup d'autres travaux qui se font un peu partout dans le monde. Redessiner les institutions. On a besoin d'institutions dans notre ville, dans notre État du Québec, dans le Canada, dans le monde. C'est sûr que les institutions qu'on a, qui sont héritées de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas intégré tout ce dont on vient de parler. Elles sont pré-numériques, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faudra les refaire autrement. Et on va pouvoir compter sur la contribution de gens qui, jusque-là, contribuaient très peu, intellectuellement, politiquement, militairement et financièrement. La Chine est en train de devenir, pas seule, l'Inde aussi, d'autres, un vrai contributeur à la communauté internationale. Elle est dans les missions de paix. Le secrétaire général vient de nommer son adjoint principal, qui est d'origine chinoise, là, la semaine dernière. On pourrait multiplier les exemples comme ça. C'est vraiment de l'ordre du chantier immense, la révolution qui est en train de se passer. Pensez simplement que 80% des êtres humains, dans 30 ans, vont vivre en Asie, en Afrique. Qu'un homme sur quatre, une personne humaine sur quatre va être africaine. L'Afrique va compter 2,5 milliards de personnes. Les systèmes scolaires africains devront intégrer 350 millions d'enfants dans les 30 prochaines années. Ceux qui pensent qu'on peut prendre des longues vacances, là, le boulot est là. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se fasse correctement, à des rythmes qui aient du sens? Qu'est-ce que les gens veulent dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut tous? Nous qui sommes des Thaïlandais, des Péruviens, des Marocains, des Mauriciens. On veut trois choses. À travers tout le bagage et les bras, le brassage qui nous rejoint sans arrêt, on veut un niveau de vie convenable. Les gens veulent un niveau de vie convenable. Et on a beaucoup progressé. Il faut soutenir ça. Le progrès économique est indissociable du progrès social. Il faut revenir à une notion où le partage se fait un peu mieux. On l'entend d'ailleurs de plus en plus ces derniers mois. Deuxièmement, les gens veulent des libertés. Ils ne veulent pas se faire torturer.
Ils veulent pas que leurs voisins disparaissent. Ils ne veulent pas que leurs fils et leurs filles se retrouvent devant des tribunaux où tout est joué à l'avance, une justice qui soit forte, qui soit indépendante. C'est un autre chantier sur lequel on doit travailler. Et la troisième chose que les gens veulent, et à toutes les fois que je dis ça, j'ajoute une petite phrase, qu'on est chanceux d'être dans ce pays. La troisième chose que les gens veulent, c'est de la compassion sociale. Il y a des gens qui sont mal pris dans nos sociétés parce qu'ils sont infirmes, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont vieux. Parce que pour X raisons, ils sont vieux et pauvres et qu'on ne peut pas les laisser juste comme ça. Alors, des niveaux de vie convenables, un régime de liberté convenable et puis de la compassion pour ceux qui en ont besoin. Perdons pas ça de vue. Et ce n'est pas que l'affaire des gouvernements. Perdons pas ça de vue. Et puis, disons-nous aussi que l'éducation doit se refaire totalement. Le monde dans lequel on est doit être montré à nos enfants. Je pense que c'est Siri qui est en train de... Je n'ai pas bien compris. Le monde dans lequel on est appelle que l'école se refasse complètement. Il faut expliquer le monde différemment, comprendre les autres civilisations différemment. Et que les autres nous comprennent aussi. On n'est plus dans la situation où il y avait l'Occident et le reste. Donc, le siècle de la diversité, c'est un immense chantier. Dites-moi, bon, vous avez écrit le siècle de la diversité, que vous êtes en train de revoir un peu, justement, pour adapter à la nouvelle donne. En combien de langues ce livre-là a déjà été traduit? Ben, il est, aujourd'hui, on peut le lire en français, il est écrit en français. Je salue Yves Norgaud, qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce livre, en anglais. On peut l'avoir en mandarin, on peut l'avoir en espagnol. Il est en train d'être traduit en arabe et il va être traduit en coréen. Et des gens travaillent au Brésil pour le traduire aussi. On va l'avoir en 7-8 langues. Et vous travaillez déjà sur un autre? Oui. Et le thème sera? Scoop. Alors, l'autre, c'est ce que je viens de dire. C'est Africa 2050, Africa 2050. L'Afrique, vous voyez ce dont je parle, 54 pays, 1,2 milliard de personnes, collées sur l'Europe, collées aussi sur le Proche-Orient, des petits kilomètres qui séparent l'Afrique de l'Europe et du Proche-Orient. Dans 30 ans, la population va doubler. Ils vont être 2,4 milliards. Tout le monde s'entend sur ça. Honnêtement, tout le monde s'entend sur ça. What are we talking about? C'est quoi? C'est quoi pour eux? C'est quoi pour nous? C'est quoi pour leurs voisins? C'est quoi pour l'humanité? C'est la région la plus pauvre du monde. C'est la région qui a le moins d'investissement dans le monde. Ce qui a fait la Chine, c'est des années et des années consécutives d'un volume d'investissement considérable qui ne diminuait jamais. L'Afrique n'a pas ça. Elle travaille fort, elle a des nouveaux partenaires, les Asiatiques sont là, font toutes sortes de choses. Parce qu'on dit la Chine, ce n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement chinois qui est là. Les banques chinoises sont là, les sociétés chinoises sont là, mais les ONG chinoises sont là aussi. Il y a plein de jeunes Chinois, ça je m'ennuie que le Canada relance ça, et le Québec, il y a plein de jeunes Chinois qui ont 18 ans à 25 ans, qui sont là pour aider les groupes de femmes, les questions environnementales, l'eau potable, name it. Ils travaillent sur plein de choses. Ils sont des milliers, comme on l'a fait, nous, les Occidentaux, il y a 25-30 ans. Alors, c'est ça sur lequel on travaille maintenant, c'est ce livre « Africa 2050 ». Merci beaucoup. Merci, madame. Il y a des questions? Oui, je voudrais inviter des gens. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelques questions que vous aimeriez poser à nos invités. Ah, voilà. Ah ben, c'est ça, j'aime ça. Oui, je suis Robert Cutler, membre du club. Je suis président du conseil d'administration du Montreal Press Club, chercheur à Carleton University. Et j'ai beaucoup apprécié... votre démarche, c'est longtemps. J'ai fait mon premier bac à l'histoire, en histoire, philosophie de l'histoire européenne, en fait. Et donc, il me vient l'esprit de vous demander, et ensuite, je suis formé en politicologue. Alors, donc, je suis contraint, donc, motivé de vous poser la question
que vous abordez sans y entrer. Quel avenir voyez-vous pour l'Europe? J'entends pas l'Union européenne, pour l'Europe face à l'évolution démographique et les dégradations accélérées de la situation sécuritaire. Et quelles implications pour une philosophie de l'histoire mondiale, si vous en avez, si vous avez envie d'aborder ce sujet. Mais puisque vous avez autant parlé de l'Occident, j'exclus les Amériques pour l'instant, et je vous invite à trancher sur l'Europe en 2030 ou 2050. Bonne question. Je vais vous dire quelque chose, mais ce n'est pas pour ne pas répondre. L'Union européenne vient de publier une étude de prospective l'Europe 2050 que j'ai sur ma table, que je n'ai pas lue encore, je viens de le recevoir. D'abord, il se pose la question, c'est déjà quelque chose d'intéressant à observer. Deuxièmement, où l'Europe va redevenir ce réceptacle d'une histoire extraordinaire qui a bénéficié de l'intelligence humaine et du talent des créateurs d'une façon très, très particulière. Donc, une série de nations, les unes à côté des autres. Avec moins de force qu'elles en ont maintenant, mais pour un temps, vont rester quand même des sociétés capables d'absorber un certain nombre de difficultés, etc., de jouer le jeu à peu près. Je dis bien à peu près, parce que la plupart des pays européens vont diminuer en nombre de populations. Et on l'a dit, la croissance, elle se fait ailleurs. Où l'Europe devient l'Europe fédérale. Où l'Europe devient une Europe fédérale, réellement, avec des institutions communes qui soient de vraies institutions communes, qui ne soient pas un agglomérat d'institutions que je respecte, parce que c'est ça l'Europe en ce moment, de gens qui attendent à tous les lundis matins que le Conseil de l'Europe, les patrons politiques se réunissent pour leur dire si les clôtures doivent avoir un mètre ou deux mètres de haut. Un vrai Parlement européen avec de vrais moyens, un ministère des Finances, un ministère des Affaires étrangères de l'Europe. Le Canada, en transposé en Europe, on ne peut pas transposer, mais vous voyez ce que je veux dire à peu près. Quand on voit la montée, je ne parle plus même des grands pays asiatiques, mais je parle des plus petits, les plus petits, mais qui ont quand même les Malaisies, ce bas monde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, etc. C'est sûr que les Européens à 50 millions, 40 millions, 62 millions, ils vont devenir des petits pays dans les affaires du monde. L'avenir de l'Europe, si les Européens, c'est leur affaire, veulent avoir un avenir et rester un joueur important. Ils ont été depuis 4 siècles. Ils ont dominé le monde depuis 4 siècles, ces petits pays, qui sont la Portugal, la Hollande, etc. S'ils veulent continuer à jouer un rôle, ils ont des choses à dire au monde aussi importantes. Je pense qu'il n'y a pas d'autre formule qu'une réunion solide de ce qu'ils sont. Regardez les pays du monde, les grands pays du monde, ce sont tous des fédérations. Le Brésil est une fédération. L'Inde est une fédération, la Chine est une fédération, le Mexique est une fédération, les États-Unis sont une fédération, la Russie est une fédération, et on pourrait continuer la liste, etc. Je suis pas en train de dire que le régime fédéral, c'est l'alpha et l'oméga de tout, c'est que le rassemblement des ressources, la capacité de conjuguer des histoires, des identités multiples, et de les faire vivre ensemble correctement, a apporté beaucoup à ceux qui ont jouer à fond cette formule-là. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis Ben-Marc Dindiré, je suis vice-président en communication d'affaires publiques de la COP fédérée, qui est un groupe agroalimentaire du Québec. J'aurais deux questions. La première sera pour M. Roy, puis la deuxième pour les deux journalistes que vous êtes. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez de toutes les institutions internationales? Est-ce que les institutions internationales que nous avons aujourd'hui, l'ONU, FAO, UNESCO, est-ce qu'elles jouent encore leur rôle de la sortie de guerre qu'on avait? Et puis, est-ce qu'elles peuvent répondre des inquiétudes que vous nous avez présentées ou des perspectives que nous présentées aujourd'hui avec efficacité?
Ça, c'est la première question. Ça, c'est à vous, ça. la deuxième question, et vous conseille tous les deux, c'est on est quand même à l'ère du fake news. Pour des anciens journalistes que vous êtes, j'imagine que vous êtes bien torturés de voir ce qui se passe. Et c'est surtout la capacité des Québécois et des Canadiens de ne pas avoir de l'information digne de ce nom et puis des perspectives beaucoup plus larges pour le reste du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, sur les institutions, ça fait partie du chantier dont on a parlé tantôt. Et on va prendre des exemples canadiens pour bien comprendre ce qui se passe. Le Canada vient d'adhérer à la Banque de développement asiatique qu'a créée la Chine. Quelqu'un qui aurait dit il y a 15 ans que cette banque aurait été créée et qu'il y aura aujourd'hui 77 pays, dont tous les pays européens, contre la volonté des États-Unis, qui sont battus pour que les Allemands n'y aillent pas, pour que les Français n'y aillent pas, que les Italiens n'y aillent pas, les Britanniques n'y aillent pas. Ils sont tous allés. On vient, nous, le Canada, d'y aller. Je pense qu'on a eu raison d'y aller. Ce que je suis en train de vous dire, c'est naît de nouvelles institutions. Je ne sais pas si celles qui sont là sont obsolètes. Je sais qu'il naît de nous. J'ai parlé tantôt de l'Association de coopération de Shanghai. Il faut vraiment s'y intéresser. C'est vraiment un lieu de pouvoir immense que la Chine a créé. La banque, que je viens d'évoquer, en est une autre. Est-ce que ça veut dire que ça va remplacer la Banque mondiale? Ça veut dire qu'un jour, la Banque mondiale va se trouver devant un partenaire de haut niveau qui fait à peu près la même chose qu'elle et qui devront se parler. C'est un siècle de la diversité là aussi. Oui, d'une certaine façon. Et il va falloir qu'ils se parlent. Ils ne pourront pas être en parallèle tout le temps. Et puis, il y a des bêtises qu'on a mises dans nos systèmes. Il faudra dégommer. Par exemple, pourquoi le président de la Banque mondiale est toujours un Américain? Pourquoi le président du FMI est toujours un Européen? C'est quoi ça? Fini. On n'est plus dans ce monde-là. C'est évident. C'est évident. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui gèrent aujourd'hui les institutions internationales, pour en avoir géré une un jour. D'abord, les États s'y intéressent moins. Les États qui étaient les bailleurs de fonds ont moins d'argent. Ont été dans une période difficile ces dernières années, ont eu tendance à couper et à couper les institutions. Les gens qui y sont disent qu'il faut mettre tout sur la table. Les États ne viennent plus avec des projets, alors qu'ils venaient avant avec des initiatives, des projets, des ci, des ça. Et puis, il y a des grands dossiers pour lesquels il n'y a pas d'institution. Puis, il y a des institutions pour lesquelles il n'y a plus de dossier. Par exemple, sur l'environnement, il n'y a pas de grande institution mondiale. Et on vient de signer un grand accord à Paris. Il y a quelque chose là, il y a un trou là, il y a quelque chose. Puis je pourrais nommer deux, trois institutions, tu te demandes aujourd'hui, ils font quoi vraiment? Ça a été, au moment où ça a été créé, ça avait du sens, mais c'est terminé. Tu sais? Mais c'est difficile de défaire les choses. Et sur les fake news, ben, on en parlait un peu tout à l'heure dans la conversation, c'est cette numérisation à outrance, ben, pas outrance, mais mondiale, où chaque individu maintenant peut devenir un émetteur. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que, pour moi, une presse libre et les faits, je veux dire, c'est la base de la démocratie. Et ça, je veux dire, c'est aller vraiment, pour moi, ça, je m'inquiète de la démocratie quand je vois des phénomènes comme ça. Comment, on en parlait tout à l'heure, on vient d'entrer dans tout ça. Comment, vers quoi on s'en va, comment on va le réguler? Est-ce que c'est un phénomène passager? Je le souhaite profondément. Parce que je discutais avec des gens, et maintenant j'entends certains grands annonceurs qui réclament maintenant d'aller dans des journaux plus sérieux, parce que justement, de se laisser aller, des fois, ils sont retrouvés sur des sites, par exemple, une annonce sur des sites pornographiques. Parce que c'est bon, c'est ça qui rentre. Fait que peut-être que, je le souhaite profondément, qu'il y ait un retour de balancier, parce que, pour moi, c'est extrêmement dangereux. On vient de voir des choses étonnantes dans ce domaine-là. On a vu des grandes chaînes de télévision chez nos voisins américains perdre leur clientèle d'annonceurs. Parce que les gens disaient, on ne veut pas être associé avec ces créateurs de fake news. Aujourd'hui, plus que 50% de la publicité est passée sur Internet. Oui. Ça, c'est un autre truc, assez immense. Mais c'est un vrai dossier, c'est un vrai problème. Il faut vraiment en parler. Il faut en parler beaucoup, il faut en parler partout. Parce que si on vit dans des comment on dit ça, les fausses fake news, on finira par dire les institutions
C'est aussi un peu merdique. Rien ne va tenir. Rien ne va tenir. Ça va nous tomber sur la tête. Ce n'est pas vrai, comme Michel vient de le dire, c'est la base de la démocratie. Et si ça, ça glisse, on a un très sérieux problème. Et ça glisse. Ça glisse. Mais ce n'est pas la première fois que les choses glissent et qu'on les rétablit. Optimisme. Oui. Bon, alors, il y avait une autre question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, mon nom, c'est Laure Cohen. Je suis coach de gestion. Je m'intéresse beaucoup à ce que vous venez de dire et aux chantiers qui nous attendent. Je me demandais juste comment vous le replaciez et comment on pouvait ne pas faire abstraction et comment on pouvait finalement aboutir à travailler sur ces éléments que vous avez évoqués, compte tenu des changements climatiques. C'est-à-dire comment cet autre facteur critique de notre évolution va-t-il s'imbriquer dans ce chantier que vous évoquez? Juste une phrase de ma part, Michel. C'est une critique qu'on a faite au livre et elle est fondée. On en parle, mais ce n'est pas un élément majeur du livre. Parce qu'on a fait une erreur, je ne sais pas trop, mais tu finis par faire des choix. Et à la question que Michel posait tantôt, si je réécrivais, il y aurait sans doute un chapitre là mieux nourri. Alors finalement, c'était une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y avait d'autres gens? Je vais me permettre, moi, je voudrais m'adresser à Mme Boisverbe. Parce que vous avez lu le livre et je vous en remercie. On est d'accord que c'est un bon livre. C'est un très bon livre. Ce n'est pas un livre qui est facile à lire. Dans le sens qu'il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de documentation. Donc, ce n'est pas un livre qui se lit comme on lit. Non, ce n'est pas un livre de chevet. Mais c'est un... Je veux dire, pour qui suit un peu l'actualité, j'ai l'impression que tout le monde ici s'y intéresse, c'est un... Je veux dire, c'est pas... On ne nous amène pas dans des champs étrangers. Non. C'est un excellent compte-rendu de ce qui s'est passé et comment tout ça s'est ordonné. Donc, moi, je retrouvais là-dedans, c'était des repères. Là, je faisais oui. Et c'est ce que ce livre-là fait pour moi, c'est de prendre un certain nombre de faits, justement, et de les relier entre eux et les amener plus loin. Mm-hmm. Et pour moi, c'est une lecture extrêmement intéressante. J'ai peut-être mal posé ma question, mais dans le sens que moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, comme vous savez, votre ouvrage. C'est un ouvrage qui, pour moi, m'a permis à ma façon. Moi, je me considère une personne très normale. Et ça m'a permis, en faisant la lecture de ce livre-là, d'aller chercher une nouvelle vision du monde. Lorsqu'on écoute les nouvelles, on est à la télévision, beaucoup de ce qu'on voit est politique. Et ici, oui, il y a des éléments politiques, économiques, tout ça. Mais ça me permet, moi, comme citoyenne, comme personne ordinaire, de m'approprier une nouvelle vision du monde qui n'est pas axée justement par l'événementiel des guerres, des données qui ne nous permettent pas justement d'être objectifs. Alors que vous, votre livre, ce que moi, il m'a donné, c'est cette possibilité-là de voir le monde autrement. Vous êtes des personnes qui avez voyagé partout dans le monde, vous avez visité les différents continents, vous avez été en contact avec des gens partout dans le monde. Lisons ça, un simple citoyen, une simple personne comme moi peut maintenant avoir accès à une vision du monde qui déborde du discours des guerres et des conflits et nous amène dans une positivité. En tout cas, moi, je trouve que c'est un livre qui nous inspire, qui nous amène un brin d'histoire, d'espoir pour voir le monde autrement et voir à sa façon comment on peut contribuer. Mais l'intelligence qui est dans le livre je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux aller avec ça, là. Ben, moi, ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi, je suis journaliste économiste, je suis formée en économie, et c'est comme ça que j'ai toujours regardé les phénomènes. Okay. Dans la montée de la Chine, je la connais, je l'ai suivie, je l'ai commentée. Ouais. Et tous ces déplacements, bon, le déplacement de la richesse. Mais ce que j'ai aimé dans le livre, je n'avais jamais transposé ça sur le domaine culturel. Et donc, c'est cette même lecture que moi, j'ai faite, mais que j'amenais juste économique et sur le sociopolitique, et là, qui est amené sur une dimension culturelle. Et ça, j'ai trouvé ça nouveau, intéressant. Mm-hmm. Rafraîchissant aussi. Puis surtout dans le contexte de l'ère numérique, c'est notre vie maintenant, et notre ordinateur est avec nous en poche tout le temps. On est connecté sur le monde. Donc, ça amène toutes sortes d'informations. L'Afrique, un continent qu'on connaît tellement peu ici, on entend parler très
trop peu de l'Afrique. Et là, avec la lecture de ce livre, on peut avoir une vision complètement différente de choses qui se produisent. Oui, il y a des guerres, il y a de la pauvreté et tout ça, mais il y a aussi énormément d'activités qui se déroulent dans ces continents-là. Donc, je me permets de faire un petit commentaire personnel pour démontrer l'appréciation. Et mon commentaire, c'est que ce n'est pas facile à lire. Ça demande un effort. Ça se lit très bien. C'est merveilleusement écrit. Un homme doué pour l'écriture, M. Roy. Donc, c'est un livre qui est abordable. On peut le faire, mais ça demande un effort. Mais je vous le recommande fortement parce que ça va vous permettre d'aller chercher une nouvelle façon de regarder le monde. Vous allez lire les journaux, vous allez écouter les nouvelles et vous allez dire « Ah! » Je peux la regarder maintenant d'une façon différente. Donc, je vous le recommande très chaudement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je sais qu'il y avait Stéphane Prudhomme. Est-ce qu'il est toujours là? Ah, oui, si. Stéphane qui vit en Chine, là, peut-être qu'il y aurait une bonne question. Je suis Maurice Barakat. Non, mais Stéphane, en arrière, je l'invitais, mais je vous passe le micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Maurice Barakat et c'est la première fois que je viens ici en touriste, disons. Mais j'ai une question à vous poser. Nous tous de Montréal, on regarde les 30 dernières années. Et c'est vrai qu'il y a une évolution rapide d'une nouvelle économie en Amérique du Nord et ailleurs. Et peut-être que Montréal n'a pas eu la plus grosse part des activités économiques et peut-être culturelles. Quand vous analysez ces nouvelles tendances, est-ce que vous y voyez un rôle ou une menace pour Montréal ou le Québec pour s'ajuster à cette période de changement? J'ai bien compris ce que vous avez dit, il y aura une période de changement un peu imprévisible, peut-être. Et qu'est-ce que vous pensez notre région pourrait profiter ou perdre avec les changements qui viennent? Écoutez, je vais vous dire trois choses. Vraiment, premier niveau, c'est une grosse question que vous posez, difficile question que vous posez. Je crois que Montréal a intérêt rapidement à accepter le double des immigrants qu'il accepte. Qu'on a un véritable problème démographique et qu'on ne le traite pas, numéro un. Numéro deux, je me réjouis tous les jours de voir qu'il y a des milliers de jeunes dans cette ville qui travaillent sur les dossiers de création à partir des nouveaux outils technologiques, etc. On a réussi à se faire une place. D'autres villes aussi, mais on a réussi ça, à se faire une place. Ça a été long. Il faut remonter à les créations du temps de Bernard Landry et tout ça. Mais ça, on a réussi là quelque chose de réel. Et puis, on a cette chance extraordinaire. L'autre côté de la rue, ici, à l'Université McGill. L'autre côté de la montagne, à l'Université de Montréal. Je me tourne de ce côté-là, je vois Concordia. Je me tourne de ce côté-là, je vois l'Université du Québec. Pour une petite ville, parce qu'on est dans le monde des villes, une ville moyenne, disons, pas une petite, mais une ville moyenne, on a ces bassins-là. Comment faire pour qu'ils ne soient pas trop bureaucratisés, bureaucratiques? Comment faire pour qu'il y ait le goût et qu'ils aient les récompenses, j'imagine, qui vont avec de l'innovation, les sciences de l'intelligence artificielle? Tout à coup, on voit apparaître l'Université de Montréal sans arrêt, et qui vient de s'associer avec un centre de McGill. C'est là, ils font leur job, les universités. Ça, et moi, j'applaudis toutes les fois quand ces gens-là font leur job, que le gouvernement met de l'argent. Le gouvernement du Québec a mis 100 millions, le fédéral a mis de l'argent aussi. La Caisse de dépôt en a dans ce secteur-là, je suis sûr, d'investir. Donc, on a un package qui est intéressant. L'unique au monde, et on n'est pas Boston, on n'est pas la Silicon Valley, mais on a réussi le passage pas trop mal. Là où j'ai des inquiétudes, pour revenir à l'observation de Mme Beauvert, c'est sur le culturel. J'ai beaucoup d'inquiétudes sur le culturel, et pour Toronto et pour Montréal. J'aime beaucoup les gens qui pensent Toronto et Montréal dans certains domaines comme... indispensables l'un à l'autre. J'aime beaucoup la formule du tennis. Une année, c'est les filles à Toronto, les gars à Montréal, l'autre année, c'est l'inverse. Les deux villes sont servies et on est sûr qu'on va garder un pôle tennis au Canada. Montréal tout seul ne garderait peut-être pas un pôle tennis au Canada. Toronto tout seul non plus. Est-ce qu'on va pouvoir, dans les 30 prochaines années, face à la concurrence culturelle des nouvelles villes,
des villes comme Shanghai et d'autres, etc., on va toujours avoir des activités culturelles. Mais est-ce qu'on va être dans les top 20, là, ou le top 20 du festival de jazz, le top 20 de la peinture contemporaine, etc., top 20 des musées, etc. On a un musée formidable qui fonctionne comme jamais le Musée de Montréal a fonctionné en ce moment, qui rayonne vraiment. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, avec Toronto, comme des gens le proposent, à mettre en commun, Toronto c'est Toronto, Montréal c'est Montréal, on ne se fusionne pas là, mais on se dit, une année, on fait le plus grand festival de jazz en Amérique du Nord à Montréal, l'année suivante c'est Toronto en alternance, et qui essaie de nous défaire si on a cette base-là d'opération. J'ai un peu peur que nos activités culturelles ne vont pas disparaître, etc., mais de la difficulté à rester dans un haut niveau dans la concurrence internationale. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Ah, une autre question. Oh, oui. Louise. Moi, je vais faire écho présentez-vous. À... Oui, Louise Sicureau de Culture pour tous. Mais comme Jean-Louis, tu as touché le point de la culture, le marché extérieur, moi, j'aimerais faire écho en disant que le marché intérieur doit être renforcé davantage grâce à l'éducation, bien sûr, aux professeurs qui doivent être des passeurs culturels, puisque si on veut que la culture soit forte et qu'on reconnaisse la valeur, il faut que les citoyens du Québec et de l'Ontario ou de Toronto soient d'accord avec ça. Et on a quand même un écart, c'est pour ça qu'on travaille tant maintenant en médiation culturelle. Il y a une médiation à faire entre les citoyens, l'art et la culture de très haut niveau qu'on fait à Montréal et même à Toronto. On exporte beaucoup et j'entends beaucoup, même notre ministre Mélanie Joly qui parle d'exportation et je comprends pourquoi elle en parle. C'est important pour les économistes, les gens d'affaires de comprendre le rapport, la valeur. Mais pour moi, et on parlait de démocratie, tantôt Michel, tu disais, c'est la démocratie qui est mise en péril, mais justement, si on n'est pas capable aussi de faire des citoyens mieux articulés, plus critiques, plus formés. On a des universités, mais il y a encore tellement de gens encore qui n'accèdent pas à l'université parce qu'on laisse à la traîne la formation dès la petite enfance. Et pour revenir à la culture, je pense que les arts et la culture peuvent être des outils, des instruments pour cette formation de l'être humain que nous sommes. Et moi, un marché intérieur très fort, l'exportation ou le marché extérieur va venir aussi avec ça. Alors, c'est beau, le tennis, ton exemple, j'ai beaucoup aimé. Sur le tennis, Montréal-Toronto, on va s'aimer à distance, mais une vie partagée. Mais je pense qu'on doit réaliser le travail vraiment urgent de travailler sur la question de l'éducation. Et qu'on ait des professeurs, des enseignants qui soient des vrais passeurs culturels, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais Michel, si on avait beaucoup de temps, on poserait des vraies questions. Pourquoi, par exemple, TFO, qui est la télévision de l'Ontario, exporte plus dans le monde que Radio-Canada? Moi, ça me... Je travaille là-dessus. ça me revient pas. J'étais la semaine dernière avec des gens, certaines personnes qui sont dans cette salle au Cameroun, où il y avait une grande foire du numérique, où il y avait des sociétés canadiennes, des sociétés québécoises en grand nombre qui venaient rencontrer leurs partenaires potentiels africains, il y avait TFO. Ils vont prendre une bonne partie du marché de l'enseignement à distance en français et en anglais en Amérique. Pourquoi Montréal n'est pas dans ce jeu-là? On ne l'a pas mentionné, mais c'est un livre que moi je recommanderais aussi à tous les gens qui veulent... faire des affaires à l'international, donc qui ont envie d'exporter leurs produits. Ça donne vraiment une vision continent par continent de ce qui se passe, mais sous l'œil de la culture et de l'économie numérique. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup, chers invités. Merci. J'espère Merci. Que ça a été agréable pour vous également. Tout à fait.